Il était environ 6h30 ce matin lorsqu'une Toyota Yaris a percuté la pile du pont de l'autoroute A7 entre Bédarrides et Sorgues sur la départementale 83. À son bord, une femme d'une trentaine d'années, domiciliée à Entraigues, et deux enfants de 3 ans et 18 mois. Tous sont décédés dans le choc particulièrement violent. À l'arrivée de la commune de Bédarrides, elle a pris le talus à l'entrée du pont de l'autoroute, elle a percuté un pilier de l'autoroute et effectivement elle a été projetée de l'autre côté de la route. La maman est décédée sur le coup, il retrouve aussi l'enfant de 18 mois qui est mort sur le coup et en revanche le petit garçon de 3 ans, les pompiers ont tenté de le réanimer pendant de longues minutes mais malheureusement ils n'ont pas réussi à le réanimer, ils n'ont plus que constaté le décès. Aucun témoin n'a assisté à cet accident. Il semblerait que les 3 occupants de la voiture n'avaient pas enclenché leur ceinture de sécurité. Une enquête est en cours pour déterminer les circonstances de ce drame. C'est le premier accident mortel de la circulation dans le Vaucluse depuis le début de l'année.